Canso, chanson, cantica. Retrouver et chanter aujourd'hui les musiques du temps d'Aliénor par Antoine Gerber. La vie étonnamment longue d'Aliénor d'Aquitaine coïncide avec une période cruciale et féconde de notre histoire artistique. Dans les domaines profanes aussi bien que sacrés, qu'il serait illusoire de séparer pour cette époque, le XIIe siècle voit l'émergence de nouveaux styles, de nouvelles formes musicales fondamentales, particulièrement dans les provinces dépendant d'Aliénor. En Aquitaine, et plus précisément dans le Limousin qui en fait alors partie intégrante, la musique sacrée connaît au XIIe siècle les deux évolutions décisives venues se greffer sur le vieux fond grégorien des chants destinés aux offices et à la messe. Les tropes, au départ simples amplifications de mélodies existantes, deviennent de véritables pièces indépendantes dans lesquelles vont pouvoir s'exprimer les talents poétiques et musicaux des moines de très nombreuses et florissantes abbayes, telles Saint Martial de Limoges. La polyphonie gagne également ses premières lettres de noblesse en Aquitaine au XIIe siècle. Il ne s'agit déjà plus d'improvisation polyphonique de chantres exercés en la matière que l'on a gardé de façon accidentelle au dos d'un feuillet, comme cela est encore le cas au XIe siècle. Les nouvelles compositions polyphoniques sont désormais organisées en recueils destinés à témoigner de l'excellence de cette école de Saint-Martial de Limoges. Ces nouveaux chants, Nova Cantica, sont écrits dans une notation pneumatique propre à l'Aquitaine et qui marque une évolution décisive de l'histoire de la notation musicale. En indiquant désormais très clairement et pour la première fois les hauteurs des notes grâce aux innovations préconisées par le moine italien Guy d'Arezzo, des lignes repères peuvent figurer la hauteur de chaque note. La même époque et la même région verront d'autre part un phénomène significatif de notre histoire artistique, la naissance de la chanson, à la fois dans les langues vernaculaires et en latin. Le XIIe siècle constitue une sorte d'apogée de ce moment très particulier de l'histoire sociale européenne, la féodalité, et voit donc l'éclosion puis l'irrépressible succès de l'expression archétypique de la féodalité, la chanson courtoise. Les troubadours puis les trouvères sont les premiers poètes à avoir chanté dans leur langue, respectivement Doc et Doyle, les préceptes du nouvel art de vivre qui voit le jour peu à peu dans la société romane. L'héritage que ces poètes ont reçu de la culture latine est en revanche peu souvent mis en évidence. Les aspirations courtoises ont pourtant été également chantées en latin, même si cette langue, encore vigoureuse du temps d'Aliénor, perd son influence par la suite. Un nouveau printemps du monde fleurit sur la vieille souche latine. Georges Duby. C'est effectivement un véritable printemps des arts qui éclot autour de la plus brillante cour d'Europe, celle d'Henri II, Plantagenet, et d'Aliénor, véritable centre de création littéraire et de mécénat musical. Il est peu aisé de déterminer précisément le rôle personnel joué par la reine Aliénor en la matière, mais on ne peut douter de l'action décisive menée par elle qui est représentée, pour l'éternité, un livre ouvert à la main. Dans le seul domaine musical qui nous intéresse ici, notons qu'Aliénor est tout d'abord la petite fille du premier troubadour connu, Guillaume IX, comte du Poitou et duc d'Aquitaine. Le père d'Aliénor, Guillaume X, était lui-même protecteur des troubadours Cercamon et Marcabru, et peut-être Geoffrey Rudel. Les poètes occitans devaient se presser en nombre à la cour d'Aliénor, même si l'on est sûr que d'un seul nom, celui de Bernard de Ventadour, le plus prestigieux d'entre eux, au centre d'un véritable réseau d'amis et collègues comprenant Allégret, Marcoat, père de Valéria, Arnaud de Guilhem de Marsan, père Rogier, père d'Auvergne, Bernard Marty, Rigaud de Barbezieux. Deux des fils d'Aliénor, Richard Cœur de Lion et Geoffroy de Bretagne, écriront eux-mêmes des chansons en privilégiant la langue d'Oyle, et tous ses enfants, y compris ses deux filles issues de son premier mariage avec Louis VII, Marie de Champagne et Aélis de Blois, joueront un rôle considérable de mécénat littéraire et musical auprès de très nombreux troubadours et trouvères. Bertrand de Born,
Conon de Béthune, le moine de Montaudon, Giraud de Bornay, Guiraud de Calençon, Fouquet de Marseille, Gauselme Fédite, Guillotte de Provence, Arnaud d'Aliel, Gas Brûlé, Père Vidal, Raymond Vidal, Chrétien de Troyes, peut-être Blondel de Nesle. Dans le domaine de la littérature latine, une haute figure domine le siècle. Personnalité bienveillante restée longtemps dans l'ombre de celle d'Aliénor, Pierre de Blois. Issu de l'aristocratie blésoise, devenue claire et l'une des grandes personnalités intellectuelles du siècle, longtemps secrétaire à la cour d'Henri II, Pierre de Blois a laissé, outre de nombreux textes moralistes, de magnifiques poésies d'amour, tout ce qu'il y a de plus terrestre et profane écrit en latin. Cette effervescence musicale profane et sacrée nous est connue grâce à de nombreux manuscrits, nous ayant très précisément transmis les textes et musiques des artistes du siècle d'Aliénor. Ces sources sont répertoriées avec minutie et abondamment étudiées depuis plus de 150 ans. Sans omettre l'éventualité de futures découvertes, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le corpus est clairement défini, identifié et catalogué. Il est donc à la disposition des musiciens du XXIe siècle qui doivent bien évidemment étudier les notations musicales anciennes en premier lieu afin de pouvoir lire et comprendre les musiques. Dans un second temps, une connaissance approfondie des différents contextes sociaux, artistiques, politiques s'avère indispensable pour restituer ces œuvres avec un certain souci de plausibilité historique. Le revival de ces musiques très anciennes, leur redécouverte depuis 3 décennies, se sont fait progressivement avec tout d'abord des interprètes qui n'avaient pas à leur disposition l'imposante somme de recherches musicologiques et historiques publiées depuis. De plus, les goûts musicaux, l'ambiance même des années 70, poussaient ces musiciens à présenter des versions des musiques médiévales qui paraissent aujourd'hui au mieux folkloriques, au pire dénuées de tout fondement historique. La réflexion peut désormais être poussée beaucoup plus loin dans de nombreux domaines. La prudence et l'humilité sont bien sûr toujours requises, la vérité d'aujourd'hui n'étant pas forcément celle de demain, mais les plus récents travaux organologiques et musicologiques nous autorisent à apporter des éléments déterminants sur la délicate question de l'interprétation de ces musiques. Les poésies et les musiques des troubadours et des trouvères ne peuvent être appréhendées avec des critères modernes, non pertinent pour une période aussi éloignée de nous. L'artiste médiéval, poète lyrique, profane ou chantre religieux s'inscrit avant tout dans une tradition s'appuyant sur les anciens. L'originalité, l'expression du moi artistique ne sont pas son propos. Ce qui est sans doute difficile à comprendre pour nous qui connaissons toutes les formes d'expression artistique postérieure. En ce qui concerne la chanson profane, cette tradition est essentiellement formelle, faite de conventions qui risquent de faire paraître aux auditeurs du XXIe siècle que nous sommes les situations et les sentiments comme très stéréotypés. C'est pourtant exactement ce qu'apprécie le public médiéval. Tous les clichés, les lieux communs sont en fait source d'émotions, de références, d'évocations que nous avons en grande partie perdues. Le public médiéval est grandement sensible à l'ingéniosité, à la virtuosité du poète qui crée, invente à l'intérieur du cadre formel rigide, régi par des conventions que Dante nomme la convenance. Comme Dante le souligne lui-même, le respect de ces conventions ne bride nullement le génie des plus grands, au premier rang desquels il place, rejoignant ainsi l'opinion de ses contemporains, que l'on ne peut que corroborer aujourd'hui, Thibaut de Champagne. Une des principales difficultés pour les musiciens du XXIe siècle que nous sommes est de tenter de trouver une esthétique d'interprétation pouvant convenir à une période aussi éloignée et aussi diversifiée. L'obstacle majeur est exactement le même que pour les historiens, l'absence de sources. Le premier corpus de théoriciens de la musique traitant d'interprétation date du XIIIe siècle et parle de l'école de Notre-Dame, telle qu'on la chantait autour des années 1200. Comme Georges Duby le démontre, l'environnement social et culturel était très différent un siècle plus tôt.
Nos quelques connaissances fiables des conditions d'interprétation de l'ambiance culturelle de cette époque nous conduisent à faire des choix avec un faisceau de probabilités assez serré. Le chant, profane ou sacré, est essentiellement soliste, l'accompagnement instrumental également, quand il existe pour les chansons courtoises. Il s'agit en l'occurrence d'un art monodique qui n'a nul besoin de bourdon supplémentaire, de déchant vocal ni de contrepoint, toute technique généralement surexploitée par les interprètes modernes. L'ambiance doit être intime, presque élitiste, puisqu'il nous faut imaginer une cour, un poète récitant ses vers devant quelques personnes seulement, susceptibles de pouvoir goûter les raffinements de ses compositions, ou des clercs chantant entre eux dans une chapelle latérale leurs audacieuses et nouvelles œuvres polyphoniques. Pour toute la musique sacrée médiévale, sans autre exception, les hommes et les femmes n'ont jamais été rassemblés pour l'exécution d'une œuvre, polyphonique ou non. Si les femmes chantaient assurément dans leur monastère, il faut reconnaître qu'elles sont totalement absentes des chapitres des cathédrales et collégiales ainsi que des chapelles privées, et que c'est bien dans ces derniers lieux et institutions que l'essentiel de la création se fait désormais. Tous ces éléments sont évidemment assez éloignés des habituelles conditions du concert d'aujourd'hui. D'autant plus que les interprètes doivent tenter d'appréhender la sensibilité des hommes du XIIe siècle, fort distante de la nôtre. Comment comprendre par exemple que certaines belles mélodies, très proches dans leur sérénité, leur plénitude, puissent porter de beaux poèmes d'amour aussi bien que des diatribes d'une férocité étonnante contre la politique de tels grands personnages? Comment interpréter musicalement ces intentions? Paul Rousset décrit l'intense émotivité, l'extraversion, la grande versatilité des hommes de l'âge roman. Les conditions de vie matérielle terribles, la proximité de la nature sauvage, dangereuse et inconnue, la cruauté de la guerre, ne laissaient survivre que les plus forts, souvent les plus violents. La violence des chevaliers, bien connue, fait d'ailleurs écho à la violence verbale des poètes. Cette violence omniprésente coexiste avec une extrême sensibilité, s'exprimant sans réserve dans les larmes. Les romans épiques foisonnent de ces personnages extravertis, si sensibles à la beauté physique, capables de passer brusquement de la colère à la pitié larmoyante, faisant preuve d'un goût immodéré pour le merveilleux et le surnaturel. Une recherche sur l'ornementation, c'est-à-dire sur la distance nécessaire entre la notation musicale et la restitution spontanée du chanteur, s'avère également délicate, bien qu'elle le soit aussi pour les musiques des siècles suivants. Une profonde connaissance de l'ensemble des répertoires voisins, antérieurs ou postérieurs au XIIe siècle, les musiques grégoriennes notamment, est indispensable pour appréhender le langage musical à disposition de ces compositeurs. Formule modale typique, cadence, etc. L'interprète doit alors trouver le juste équilibre entre une distance par rapport à l'écrit, souvent inexistant au XIIe siècle, et le respect des sources qui est la base de son travail. Les musicologues insistent sur l'étonnante stabilité de la tradition orale en regard du terrain plus mouvant de la tradition écrite, multiples variantes, incompréhensions, faute de scribe, etc. L'instrumentarium accompagnant la chanson courtoise au siècle d'Aliénor doit être des plus réduits. L'iconographie atteste la présence d'un accompagnement instrumental, mais elle doit être examinée de façon attentive et critique. Les instruments y jouent toujours un rôle d'abord symbolique, ne représentant pas forcément la situation réelle. La littérature nous renseigne de façon plus précise sur ce sujet. Dans les romans du XIIIe siècle, de multiples scènes décrivent un personnage chantant une chanson de Trouvert. La plupart du temps, l'interprète chante a cappella. Quand un instrument l'accompagne, il est toujours seul. Le chanteur et l'instrumentiste étant très souvent une seule et même personne, il s'agit toujours de la vielle à archet ou de la harpe, dans le cas typique du héros de roman arthurien chantant un lai. De façon générale, au XIIe siècle, les vielles et les harpes conviennent le mieux. Instruments des rois, roi des instruments, selon l'expression du facteur de harpe Yves d'Arxisas. La famille des luths est, elle, exclue, ne faisant son apparition en pays d'Oïl que timidement au XIIIe siècle.
Les instruments que nous utilisons sont le fruit d'un long travail de recherche de facteurs très spécialisés après un examen attentif de l'iconographie et de la statuaire romane. Leurs instruments sont construits selon des rapports mathématiques pythagoriciens que l'on retrouve partout dans l'art médiéval, notamment en architecture et en musique. Tous les intervalles au XIIe siècle sont naturels, basés sur la division arithmétique d'un monocorde selon la mathématique pythagoricienne, mettant en exergue les harmoniques naturelles. La question du rythme est primordiale pour l'interprète des musiques romanes. Les premiers modes rythmiques ne sont attestés que chez les théoriciens du XIIIe siècle, à propos des polyphonies de l'école de Notre-Dame. Mais les premières œuvres à quatre voix de cette école, de Pérotin, appartiennent bien à la toute fin du XIIe siècle. C'est la nécessité de faire fonctionner ensemble un nombre jusque-là inhabituel de différentes voix qui a poussé les compositeurs à utiliser de plus en plus ces rythmes ternaires. Cette remarque pratique rejoint évidemment un souci plus général de rationalisation du temps. C'est l'avènement d'une société plus moderne, urbaine, gothique et non plus romane. La question de l'application de ces modes rythmiques aux polyphonies de l'école de Saint-Martial de Limoges, à peine plus ancienne mais issue d'un contexte très différent, est contestable. En ce qui concerne la chanson courtoise des troubadours et des trouvères, une partie du répertoire est notée de façon rythmée, puisque la notation carrée, grande nouveauté du début du XIIIe siècle, permet de noter les rythmes ternaires. La question divise les musicologues depuis plus d'un siècle, l'interprétation ayant pu être différente à l'époque de la création des chansons et à l'époque de la rédaction des manuscrits, parfois plus de 150 ans plus tard. Roger Dragonetti, dans une étude magistrale parue en 1979, décortique le rythme propre à la magnifique langue d'oïl des trouvères et insiste sur l'importance accordée par les trouvères eux-mêmes à la logique linguistique. Il constate que 10% seulement du répertoire peuvent être interprétés de façon rythmée sans détruire l'équilibre prosodique des textes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que cette partie du répertoire était effectivement chantée rythmiquement. Il prône plutôt, et nous avec lui, une déclamation souple respectant le rythme propre de la langue d'oïl, sa prosodie, à laquelle il est très souvent impossible d'appliquer un rythme régulier sans détruire brutalement ses règles inhérentes d'accentuation. Cette déclamation souple permet au contraire de s'adapter à la structure de chaque poème, aux pauses, accents, césures voulues par les poètes. La musique ne saurait en aucun cas détruire l'accentuation des textes. Les trouvères sont à la fois les poètes et les compositeurs des mélodies. Enfin, la démarche de restitution de l'ensemble Diabolus in Musica implique toujours une attention particulière portée à la prononciation des langues dans lesquelles les musiques devaient sonner. Ce travail nous semble tout aussi indispensable que l'examen paléographique des manuscrits pour pouvoir goûter pleinement la saveur, mais aussi la force de ces poésies. Comme l'assurent les spécialistes de phonétique historique, Gaston Zinck, Eugène Green, les clercs du Moyen-Âge prononçaient le latin selon les habitudes phonétiques de leur parler maternel vernaculaire, en tenant compte bien sûr des règles d'accentuation propres au latin médiéval. Ce latin médiéval était donc articulé exactement comme s'il s'agissait d'une langue romane. Les études de phonétique historique sont nombreuses pour les différentes langues vernaculaires et cernent précisément, siècle par siècle, l'évolution de la prononciation. Elles sont un guide irremplaçable pour l'interprète actuel. Il est certes nécessaire d'étudier avec minutie tous ces travaux scientifiques, mais rien ne peut remplacer la démarche très empirique et humble de l'interprète qui doit se frotter jour après jour à ses textes et à ses musiques. Une longue fréquentation, un bain musical et poétique, une véritable imprégnation sont indispensables à qui veut tenter de restituer avec le plus de fidélité possible ces merveilleuses œuvres qui constituent notre patrimoine artistique.